Salut ma chérie. Bonsoir. Pas de bol, c'est l'ex de Myriam. Écoute, Juliette est grande, fais-lui confiance. Hein, elle a le droit d'utiliser ses écrans jusqu'à 20h. Si elle a fait ses devoirs, c'est parfait. Le filet de pintade truffée et son écrasé de pommes de terre sont au four. Et il est pour deux, je précise. C'est pas facile, elle est ado. Moi, j'avais pas de téléphone à son âge, alors je suis un peu paumé. Salut papa, tu fais quoi ici? Non, parce que je vais préparer un repas et je... On parle de ton temps sur les écrans. Je me mets d'accord avec ta maman, c'est important qu'on ait les mêmes règles, même si tu as deux maisons. J'arrive pas à dormir, vous faites trop de bruit. Papa, j'ai encore faim. Je peux venir avec vous, sinon j'ai trop peur toute seule dans ma chambre. Et pour la pintade? Ah oui, je veux bien goûter ton plat. On est bien là, hein? Si vous êtes séparés, essayez de trouver des points d'entente sur la gestion des écrans. Et intéressez-vous au contenu que vos enfants regardent. C'est important pour leur équilibre. Est-ce qu'on lui laisse son téléphone le matin avant d'aller au lycée? Et merci d'avoir fait profiter tout le monde de ton excellent repas. Tiens, amour.